Bonsoir, les nuages ont été majoritaires ce samedi avec quelques pluies, notamment près des côtes de la Manche. L'ambiance n'était pas véritablement estivale. Pour demain matin, on va retrouver cet axe pluvieux entre la Vendée et le Pas-de-Calais avec des pluies assez régulières et parfois un vent sensible. À l'avant, les nuages seront déjà nombreux entre l'Aquitaine et la Belgique, mais le soleil, quant à lui, va s'imposer des frontières de l'Est en descendant jusqu'au bassin de la Méditerranée, compté quand même sur des entrées maritimes aux abords du golfe du Lion. L'après-midi, la perturbation va continuer sa route vers les régions centrales. On va la retrouver de l'Aquitaine jusqu'à la Belgique avec des pluies régulière, mais c'est à l'avant que l'instabilité la plus marquée va s'enclencher avec des orages qui pourraient être marqués et accompagnés de grêles, notamment entre la région toulousaine et la Lorraine. Quelques-uns également vont se déclencher près des frontières de l'Est et le soleil, quant à lui, va résister de la Côte d'Azur jusqu'à la Corse. Retour des éclaircies également par le nord-ouest. Les températures pour votre dimanche matin, toujours très douces, entre 13 et 21 degrés de Brest jusqu'à Nice. Et puis l'après-midi, des valeurs qui seront très contrastées entre l'ouest et l'est. Il fera très frais dans l'ouest, entre 18 et 22 degrés tout au plus, 17 même pour la minimale à Calais. Et puis il fera chaud dans l'est du pays, à l'avant des orages, 27 degrés quand même du côté du plateau de Langres, 29 à Dijon, 31 degrés la maximale. Ça sera aussi bien pour Lyon que pour Strasbourg. Votre lundi, un temps toujours instable sur les régions de l'Est, notamment sur le quart sud-est, avec un ciel très encombré et de nombreuses précipitations localement orageuses. Dans l'ouest, ça ira un petit peu mieux, avec davantage d'éclaircies, avec peut-être une petite averse, notamment près de la Bretagne, et les températures passeront partout en dessous des normales de saison. Ça le restera d'ailleurs pour mardi, avec des pluies fréquentes près des frontières du nord et de l'est, ailleurs un régime d'averse, avec tantôt de belles éclaircies, tantôt des précipitations, temps plus sec et ensoleillé, mais de venté près du bassin de la Méditerranée. Pour mercredi et pour jeudi, toujours un ciel de traîne majoritaire avec un ciel qui restera plus encombré dans le nord-est du pays où les précipitations resteront plus nombreuses. A l'inverse, le temps devrait rester sec près de l'océan et près de la Méditerranée. Les températures vont avoir du mal à remonter. Elles le feront de manière très laborieuse pour la fin de la semaine avec toujours un régime d'averse sur les régions du nord et de l'est, tant plus sec dans les régions du sud. Et puis donc pas véritablement d'amélioration sensible a priori pour la semaine à venir. Demain, nous serons le dimanche 6 juillet, nous fêtons les Marietta et nous perdons une minute d'ensoleillement. Je vous retrouve demain soir, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon dimanche. Merci.